Konnichiwa minasan, c'est Mémoire de Lège. Bah merde, j'ai oublié de me coiffer, moi. Bah remarquez, c'est pas si mal que ça, finalement. On joue aujourd'hui à Super Mario Odyssey. Oui, regardez, je tiens enfin cette dernière console de Nintendo qui a fait surprendre pas mal de monde. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va pas faire de let's play, hein, comme j'avais fait du temps de Shenmue sur Dreamcast. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler du Nintendo Direct et vous donner mon opinion sur ce qui a été les jeux marquants, marquants et plutôt à venir pour l'année 2018 sur Nintendo 3DS et Switch. C'est parti! On va commencer par la catégorie Nintendo 3DS avec un jeu que j'attends impatiemment et qui sortira en fin juillet 2018. C'est le futur WarioWare Gold, hein, qui je rappelle est une base, plutôt une parodie des Mario Party. Et on va retrouver toujours des épreuves complètement loufoques comme dérouler du papier toilette, arracher des pansements, des poils ou encore des mini-jeux d'origine à la sauce Wario comme des Balloon Fight, des Dr. Mario ou encore des Super Mario puisque ça fait partie bien évidemment d'écran classique de la NES. Ensuite parlons de Pikachu Détective parce que c'est un jeu qui m'a un petit peu interloqué notamment avec la voix du personnage. On retrouve bien évidemment les Pokémon de base de la première génération. Personnellement moi j'ai arrêté Pokémon à la première parce que déjà quand j'étais gamin la deuxième génération j'ai pas pu la faire. Et puis quand j'ai vu que c'est parti en couille direct, je pense que c'était le bon moment d'arrêter. Mais bon après, qui vous dit que ça sera un mauvais jeu? Moi je pense que partir, dériver un petit peu comme les Mario ou les Sonic dans un monde un petit peu différent ou dans un style différent, moi je pense que ça peut être une très très bonne idée. Donc moi je dis pas banco, je dis pas non non plus, mais je pense que ça pourrait être sympa à voir. À voir à la suite les réactions des autres youtubeurs et autres journaliste de jeux vidéo. Ensuite, je ne vous cache pas que j'ai été énormément déçu par une remasterisation de Luigi's Mansion sur Nintendo 3DS. Moi, personnellement, j'attendais le 3 sur Switch. Pourquoi remasteriser un jeu alors que graphiquement sur GameCube, le design et les graphismes sont bien meilleurs que sur 3DS, mis à part qu'il y aura une carte en plus sur la version 3DS. Voilà, moi, j'étais déçu. Je trouve ça un petit peu dommage de faire un jeu comme ça. Voilà. Voilà la catégorie 3DS qui m'intéressait, maintenant on va passer du côté Switch, puisque maintenant je viens de l'acheter, même si je vous cache pas que j'ai déjà Ultra Street Fighter 2 et que j'ai déjà acheté Bomberman comme c'était déjà en promo, donc du coup il fallait en profiter. Je suis bien content de retrouver un bon Mario Tennis avec le Mario Tennis Ace. Moi je me souviens quand j'étais gamin, j'y avais joué du temps sur Game Boy Color, donc c'était vraiment en fin de vie de console avant que la Game Boy Advance ne sorte, c'est-à-dire fin juin, début juillet. Et quand on pense que maintenant on peut casser des raquettes ou encore rattraper des balles qui sont irrattrapables, qui n'a strictement rien à voir bien évidemment avec le fameux Virtua Tennis qui était sur Dreamcast ou encore sur Arcade, moi je pense que ce titre peut être vachement intéressant et du coup remet un petit peu au goût du jour le jeu de tennis et je dis banco. Ensuite parlons un peu RPG parce que c'est peut-être une catégorie de jeux que je n'apprécie pas énormément, même s'il y a des jeux qui sont quand même sympas, notamment Chrono Trigger qui reste mon RPG préféré. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui m'a beaucoup interloqué, notamment sur le titre Octopath Travelers, c'est la jaquette proposée pour la Switch. Je trouve que la jaquette du jeu est totalement vide. Voilà, c'est sobre, c'est strict, alors que d'habitude elles sont toujours plus vivantes, de voir notamment les Secret of Mana, les Chrono Trigger, enfin qui reste mon jeu préféré, ou encore pour moi l'une des plus belles jaquettes qui est réalisée Squaresoft, hein, ce qui est devenu Square Enix, Romancing Saga qui était sorti en 95 sur Super Nintendo, bien sûr on n'oublie pas les Kingdom Hearts et autres RPG dans la lignée. Et ce qui est assez étonnant, c'est que la plupart des RPG, et je le remarque assez souvent, c'est que tout tourne en règle générale sur le Moyen-Âge. Et là, on n'est pas non plus dans la Renaissance, mais on est sur quelque chose d'un peu plus à jour. Et pour une fois, c'est bien, ça risque d'être intéressant. En plus, d'habitude, les RPG sont toujours vus du dessus. Et là, ça sera vu de côté, donc comme un bon vieux genre 2D, comme on a connu à l'époque. Pour un jeu indé, je pense que ça a l'air d'être plutôt sympa. Bien évidemment, je ne peux pas passer à côté sur ce qui va être le jeu de l'année 2018. Enfin, j'espère. Le nouveau Super Smash Bros. 5 qui sortira en cette fin d'année 2018 et qui m'a l'air d'être très prometteur. Quelle sorte de nouveaux personnages pourront voir? Moi, j'espère au moins voir un Tails ou un Knuckles dans la série des Super Smash Bros. Puisque je rappelle que Sega a été racheté par Nintendo, mais qui continue à faire des jeux de leur côté. Et donc, je pense, moi, Super Smash Bros. Pourrait être un excellent jeu et j'attends très impatiemment sa sortie. Et voilà, c'est ici qu'on se quitte. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de me lâcher un gros pouce bleu, de lâcher votre commentaire et de vous abonner, c'est très important. On se retrouve pour une prochaine vidéo en vrac, peut-être. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine. Sayonara Tomodachi !